Soussou, c'est SimCello 98. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les CC Basic et Basic Bathroom de House of Harlech. Il s'agit de CC pour le mode construction qui font très IKEA, ou plutôt, je devrais dire SimKEA. House of Harlech, c'est la collaboration de deux créateurs de CC, Harry et Félixandre. Je crois qu'ils sont tous les deux britanniques. Alors pour Harry, j'en suis sûre, elle habite à Londres même. Et Félixandre, j'en suis moins sûre, j'ai pas trouvé. Mais dans ma tête, ce sont deux britanniques donc qui font des CC chacun de leur côté, mais aussi certains ensemble, sous donc le pseudo House of Harlech, qui est un mix de Harry et Félix Harlech. Voilà, j'imagine en tout cas. Pour tester ces nouveaux CC, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. J'ai tenté le stop motion. Alors, c'était pas une mince affaire, c'était plutôt compliqué au début. D'ailleurs, vous allez voir, la cuisine, je l'ai d'abord fait sur un terrain classique en fait, avec le fond vert très lumineux, et je trouvais que c'était pas très, très agréable à voir. Donc, pour les autres pièces, je les ai faites en intérieur avec un petit fond un peu vert clair, vert menthe, et je trouve que ça rend mieux. Comme c'est la première fois que je fais du stop motion, c'est pas parfait. Il y a 2-3 photos qui sont pas dans le même angle et donc du coup ça saute un peu à l'image. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de moi. Et c'est surtout sur les basics qu'on va parler aujourd'hui. Et j'adore. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment compatible avec les jeux Sims. Ça fait très Maxis Match. Le style est moderne, j'adore tout ce qui va être cabinetterie pour la cuisine, mais aussi tout ce qui est dressing, franchement c'est canon. Alors après, petit souci, j'ai pas réussi à avoir la douche qui vient avec Basic Bathroom. Elle est bien présente dans la baignoire combo douche, mais la douche toute seule je l'ai pas, donc peut-être que ça a besoin d'un pack en particulier, je ne sais pas. Mais sinon, mis à part ça, moi ça me va, hein. Il y a plein de petites décos, c'est très mignon, c'est très en bois. Moi j'ai choisi plutôt la couleur verte hein, pour mettre des accents un petit peu partout, mais bien sûr vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a vraiment vraiment plein de coloris au choix, des blancs, des bois, des noirs, des couleurs, enfin les CC quoi. Franchement c'est le rêve. Et que dire de plus? Je crois que les images sont assez parlantes, c'est canon, voilà. Donc oui, évidemment, je vous recommande ces deux collections d'objets. Le Basic vient avec 91 pièces, qui est quand même pas mal, hein. C'est assez grand. Et le Basic Bathroom qui vient en plus, donc pour la salle de bain toilette, avec 28 objets. Donc voilà, dans l'ensemble, vous pouvez construire une maison très cohérente, très moderne, et moi j'aime beaucoup. C'est sûr, dans l'avenir, je vais utiliser plus de CC de House of Harlech, ils en ont fait plein. Et chacun de leur côté, ils ont aussi leur propre CC qui ont l'air super sympa. Donc c'est pas la dernière fois que vous allez entendre de House of Harlech sur la chaîne, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la décoration des intérieurs avec ces collections Basic et Basic Bathroom. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que ça vous a donné envie de les télécharger? Est-ce que vous connaissiez House of Harlech aussi? Est-ce que vous connaissez d'autres créateurs de CC qui pourraient m'intéresser? Moi je sais que j'ai déjà beaucoup entendu de Pierissime et je pense que ça ne va pas tarder à ce que je teste ces contenus. Et aussi, j'aimerais bien que vous me disiez si le format stop motion vous a plu ou pas du tout. Moi, je trouve ça hyper satisfaisant à regarder, mais je pense que ça peut encore s'améliorer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à très très vite. Tac tac !